Non, non, mais je préfère venir parce que vu que je ne face à une pénurie de main-d'œuvre sans précédent, et ce, dans de nombreux secteurs d'activité. C'est dans ce contexte tendu pour les employeurs où les salariés retrouvent du pouvoir de négociation que le gouvernement engage une série de réformes soi-disant nécessaires. Il en prétend mener ces réformes au prétexte d'un objectif de plein emploi. Mais en réalité, ce qu'il recherche, c'est maintenir, voire renforcer la concurrence entre les salariés
et précariser toujours davantage une partie croissante du salariat pour empêcher toute redistribution plus juste des richesses créées. Pour la CNT, une seule solution sera possible. Ça veut dire tant qu'on n'aura pas mis le système en l'air, on n'aura pas de solution autre que des négociations qui seront toujours en deçà de la volonté du peuple. Donc si on ne veut pas, il faut arriver à se battre, arriver à faire en sorte que nos camarades, dans les entreprises, que partout où ils sont, fassent en sorte qu'ils se soulèvent et que demain, nous soyons beaucoup plus nombreux dans les rues et qu'arrivé un moment, on les foute tous dehors. Merci. Pour dire que ce matin à Privas, il y avait 300 manifestants, qu'aujourd'hui à Aubenas, il y en avait 600, et qu'à Annonay, il y en avait 800. Ce qui veut dire que dans tous les pays, il y avait des centaines de milliers de manifestants et des centaines de milliers de travailleurs en grève pour leur revendication. Et comme l'a dit le camarade de la FSU tout à l'heure, c'est la suite de ce qui s'est passé dimanche à Paris avec plus de 140 000 manifestants contre la vie chère. Tout est à nous. Mais allez, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, ils l'ont volé. Partage les richesses, partage du temps de travail.